Bonjour à tous, Benjamin Jacquot, guide de pêche sur l'embouchure du Rhône. Je suis spécialisé dans la pêche des thons au leurre sur les chasses. Et aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux moulinets Savage SGS8 que j'ai eu la chance d'essayer un petit peu avant leur sortie. Et voilà, donc on teste chez Exotic Fishing Il est pris par le travers. les nouveaux moulinets Savage depuis quelques mois déjà. De très très bons résultats, notamment sur les poissons qu'on a ici, hein, des poissons entre 25 et 50 kilos. Ici, on a le, voilà, on a le Savager SG8 en taille 10 000. Voilà, parfait pour ces poissons. Pour vous faire un petit retour dessus. Alors, moi, sur le delta du Rhône, on est sur des poissons qui font généralement entre 30 et 50 kilos. Ce sont des moulinets que j'ai équipés en tresse de 60 livres et avec lesquels nous avons pêché quasiment tout l'été. Je peux vous faire aujourd'hui un très bon retour sur leur utilisation et je peux vous dire que c'est une sacrée surprise parce que c'est des moulinets qui ont plus que bien. Moi, j'ai principalement pêché avec le SGS 8 en taille 10 000. C'est vraiment le moulinet le plus adapté, je pense, de la gamme pour la pêche en 50-60 livres. J'ai également testé le SGS 8 en 8 000, qui a très bien fait le job aussi. Mais pour équilibrer, pour une question d'équilibre sur les cannes, je trouve que le 10 000 est plus adapté. Très très bonne surprise sur le frein. Moi, j'ai été très agréablement surpris par la fluidité des freins. C'est un frein, voilà, on le serre, il reste fluide tout au long du combat. Et vraiment, c'est souvent un gros point faible sur les moulinets, notamment sur ces pêches fortes, parce qu'il nous faut vraiment un frein progressif qui ne donne pas d'à-coups dans les tresses, etc. Si on risque de casser des poissons. Et là, j'ai eu une très bonne surprise. Et vraiment aussi, la seconde surprise, eh ben, c'est leur résistance. Parce que bon, en 4 mois, ce que je leur ai mis dans la tête, je pense que ça doit bien correspondre à plusieurs saisons chez quelqu'un de normal. Surtout que bon, moi, je rince absolument pas mon matériel, je le maltraite. On les a massacrés, ils sont passés dans les mains de tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai des moulinets, après 4 mois d'utilisation intensive, là, on a peut-être un moulinet qui a fait 50 ou 100 tons, qui tourne nickel. Aucun problème, résistance à la corrosion, bah écoutez, il croustille pas. D'habitude, les roulements de galets au bout d'un ou 2 mois sur les moulinets, entre guillemets, lambda, un petit peu cheap, ça croustille. Là, on a encore un moulinet qui tourne nickel. Voilà, donc pour mon retour assez rapide sur ces super moulinets Savage, voilà, je ne peux que vous les conseiller pour vous faire des ensembles pêche au thon. Au leurre sur les chasses. Écoutez, je vous souhaite à tous une très très bonne saison et puis je vous dis, bah, écoutez, peut-être à très bientôt sur le Rhône. En tout cas, bonne saison à vous.